Salut à tous, aujourd'hui on va visiter une église à Angers-le-Duc et on va faire un petit arrêt pour voir les cigognes. Je suis avec Lilou, vous pouvez aller voir sa chaîne en même temps. Lilou aime des saints, je vous mettrai son truc dans la description. On va aller visiter ça et on vous fera une petite vidéo. Allez, on est parti pour la visite, on vous raconte ça tout de suite. On est arrivé à Angers-le-Duc pour visiter et on est venu voir l'église qui est juste là. Voilà. Si je ne me trompe pas, c'est une église romane du 11e siècle qui a commencé à être construite au 11e siècle. Elle est de toute beauté. On va aller visiter l'extérieur, l'intérieur. J'espère que vous allez tous bien. Ici, il y a le prieuré que vous pouvez louer. Il y a une salle de réception. C'est une propriété privée, donc. C'est l'église Notre-Dame de l'Assomption d'Angers-le-Duc. Je parlerai pas parce que, par respect. Je vais vous montrer l'intérieur. Je sais pas si ça va bien rendre à la caméra, mais l'intérieur est vraiment magnifique. Ici, nous avons un orgue qui est vraiment de toute beauté, tout en bois. C'est vraiment une jolie découverte en Saône-et-Loire. Thank you.
essaye de descendre la crypte, je parle doucement. Si on vaut mieux la tour de Guenala. Une jolie découverte à Anzilduc, si vous passez dans le coin, arrêtez-vous pour visiter, c'est vraiment magnifique. Bon, je vous remercie tous d'être venus voir cette vidéo. Si vous avez envie de la partager, vous la partagez. Vous voulez mettre un like, vous mettez un petit like, ça fera plaisir. Un petit commentaire si vous voulez savoir d'autres choses dans le coin. Et puis abonnez-vous. Et abonnez-vous aussi à la chaîne de Lilou M Dessin. Si vous aimez les dessins, abonnez-vous à sa chaîne. Ça lui fera très 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 plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend quand vous regardez la vidéo. Et à bientôt sur la chaîne.